La question est ici de savoir si le nombre moins 2 est solution de l'équation moins 3x moins 5 inférieur à 1. Il n'est pas utile de résoudre l'équation pour cela, il suffit de tester, de remplacer x par la valeur qui m'est proposée, moins 2. Attention à la rédaction, il est maladroit de remplacer directement x dans mon inéquation en la recopiant, car on ne sait pas si cette inéquation, du coup, sera juste pour la valeur considérée. Donc on va plutôt prendre le membre de gauche, moins 3x moins 5, et remplacer x par moins 2 dans cette expression-là, faire le calcul, et après on pourra conclure. On calcule donc moins 3x moins 5 pour x est égal à moins 2. Attention, il n'y a pas d'opération entre le moins 3 et le x, mais il s'agit bien d'une multiplication, ne marquez pas moins 3 moins 2. Ça fait donc moins 3 fois moins 2, puis moins 5. Moins 3 fois moins 2, ça fait 6. 6 moins 5, 1. La valeur de moins 3x moins 5 quand je remplace x par moins 2 est 1. Maintenant, je peux comparer ce résultat 1 à ce qui m'était proposé ici tout à l'heure. Je sais que l'inégalité 1 inférieure à 1, elle est fausse. Un nombre n'est jamais plus petit que lui-même. Donc, le nombre moins 2 n'est pas solution de l'inéquation. Il est plus élégant de rédiger comme ça que de remplacer directement la valeur de mon inéquation et d'arriver à la fin à 1 inférieur à 1, puis de conclure. Il vaut mieux toujours calculer séparément.